Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo de Tinder et des rendez-vous instantanés que vous pourrez avoir grâce à cette application de rencontre. Il se trouve que le week-end dernier, j'ai accueilli 4 élèves pour un week-end coaching en séduction et camaraderie. C'est un mélange de bons moments, de rencontres spontanées dans la rue et de drague dans les bars, et aussi de prise de confiance en soi. Ces élèves venaient des 4 coins de la France, ils venaient de Paris, de La Rochelle et même de Nice. Il se trouve que le Niçois, il était impatient de rencontrer les Bordelaises. Alors il s'est connecté à l'application Tinder vendredi, avant que nous commencions le coaching, pour tenter d'avoir un rendez-vous dans le week-end. Et surpris, il a réussi à avoir un rendez-vous avant que le week-end ne débute. C'était vendredi à 18h30. Il a eu un rendez-vous instantané. Ça ne lui était jamais arrivé avant. Il a dû sortir de sa zone de confort, parce que d'habitude, il aime bien planifier les choses avant d'aller rencontrer les filles. Il a toujours le même rituel. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les clés du succès qui lui ont permis de réussir à draguer cette fille. Car avant de réussir à faire ça, il a fait un coaching en séduction spécial site de rencontre pour atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. Donc nous allons décrypter ensemble la discussion Tinder, puis la discussion drague par SMS et nous verrons comment s'est terminé ce rendez-vous. Donc vous allez apprendre les clés du succès pour réussir vous aussi à avoir des rendez-vous instantanés sur Tinder. Donc maintenant que vous avez lu la discussion Tinder, je vais aborder en vrac ce qui lui a permis d'avoir un rendez-vous rapidement. Il se trouve que dès le début de la discussion, la fille montre des signes d'intérêt. Et ça, c'est primordial. Si la fille montre des signes d'intérêt, vous devez vous en servir pour mieux calibrer vos messages. Surtout quand elle monte dès le début de la discussion. Là, lui, ça lui a permis de donner un ton dynamique et d'aller vite au rendez-vous. Ensuite, pour réussir à avoir un rendez-vous instantané sur Tinder, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi sa projection dès le début de la discussion. Il a implanté dans l'esprit de la fille qu'ils allaient rapidement se rencontrer. Comme ça, ça a conditionné la fille qu'elle était là pour discuter et surtout pour le rencontrer rapidement. Parce que certaines filles, elles sont sur Tinder et des fois, elles veulent juste discuter et quand vous leur proposez un rendez-vous, elles n'acceptent pas facilement. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de projeter les filles dans des rendez-vous avec vous pour conditionner leur esprit à vous rencontrer. Ensuite, il utilise des personnages de dessins animés pour faire passer des messages inconscients. C'est très habile de sa part parce que comme ça, il peut transmettre ses désirs et ses envies à travers des personnages de dessins animés et il passe sous les radars. La fille accepte beaucoup mieux les messages inconscients qu'il est en train de lui faire passer. Autre chose, il propose un échange qui est différent des autres mecs sur Tinder. Si vous créez un compte de fille, vous allez voir que les mecs sont dans un discours rationnel de manière générale. Tu fais quoi dans la vie? T'as quoi comme passion? Tu cherches quoi ici? Non, elles ne veulent pas ça. Elles veulent être dans l'émotionnel. Et lui, dans cette discussion-là, il est dans l'émotionnel. Autre chose, il fait aussi quelques blagues pour amener encore plus de légèreté. Mais attention, si vous décidez de faire des blagues lors de vos discussions et de vos échanges Tinder, faites en sorte de ne pas passer pour un clown et pour un rigolo. On n'est pas là pour sortir des blagues carambars. Il faut que ce soit
bien amené dans la discussion et surtout que ce soit subtil. Bon, comme d'habitude, dans chacune de vos discussions Tinder, vous verrez que les filles vont vous tester. Et ça n'a pas manqué dans cette discussion, elle a testé à plusieurs reprises. Elle le teste, mais il arrive à sortir de manière très habile en utilisant les personnages de dessins animés et en ne lui donnant pas ce qu'elle veut. Si une fille vous teste, surtout, vous ne devez jamais vous justifier. Et lui, ensuite, dans son esprit, il voulait rencontrer cette fille. Et c'est normal. Vous êtes sur une application de rencontre, donc c'est légitime de vouloir la rencontrer. Mais il ne faut pas trop brusquer les choses, sachant que là, ça faisait juste quelques messages qui s'échangeaient et ça faisait pas très longtemps qu'ils parlaient ensemble. Du coup, il y était progressivement. Il a utilisé une méthode indirecte de l'entonnoir. Si vous ne connaissez pas cette méthode, alors je vous invite à aller dans la description. Je vous mets un lien d'un article que j'ai écrit sur mon blog pour vous expliquer comment elle fonctionne. Donc lui, il y était en plusieurs étapes. Il commence par la pousser à se qualifier. Est-ce que tu as des super pouvoirs? Donc si elle se qualifie, si elle répond à cette demande de qualification, c'est que inconsciemment, elle a envie de savoir la suite. Même si elle répond des bêtises, ça veut dire qu'elle a envie de connaître la suite. Ensuite, il fait une projection plus poussée sur le rendez-vous quand il lui dit « nous en parlerons de vive voix ». Ensuite, il commence à la teaser pour lui donner envie et susciter son intérêt de passer du virtuel au réel. Elle est intriguée et cela crée de l'attraction. C'est une étape indispensable. Vous devez réussir à intriguer les filles et à susciter l'intérêt des filles pour obtenir des rendez-vous beaucoup plus rapidement que d'habitude. Et puis après, il décide de verrouiller le rendez-vous en lui disant « je vais prendre ton numéro de téléphone et on va se rencontrer, tu vas te laisser porter ». Mais à ce moment-là de la discussion, et c'est tout à fait normal, vous le verrez souvent dans vos discussions, c'est le moment préféré des filles pour vous tester. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sent que le piège va se refermer sur elle. Quand je dis piège, c'est bien sûr entre guillemets. Elle est en train de réaliser que elle va rencontrer ce mec rapidement. Elle passe d'un état émotionnel à un état rationnel. Parce que cette discussion l'a mis dans un état émotionnel agréable, mais là, elle est en train de se rendre compte que ce mec-là, je vais le rencontrer, mais je ne l'ai même pas testé, je ne sais rien sur lui. Et donc, elle essaie de temporiser en lui disant « je vais prendre l'apéro chez les amis, on voit ça plus tard, donne-moi plutôt ton numéro de téléphone, peut-être que je t'appellerai ». Lorsqu'une fille vous teste, qu'elle essaie de prendre le temps pour reprendre ses esprits, ce que vous devez faire, c'est que vous ne devez pas paniquer. Dans ces moments-là, lui, il a arrêté de lui répondre et c'est elle qui est revenue vers lui. Ensuite, quand elle lui a dit qu'elle voulait prendre son numéro de téléphone, ça c'est un test. Parce qu'elle veut laisser de prendre le contrôle de l'interaction. Et il ne faut surtout pas laisser le contrôle de l'interaction aux filles, sinon vous n'arriverez jamais à aller à un rendez-vous. C'est elle qui va diriger alors que c'est vous qui devez avoir le lead. Donc là, quand elle a testé, lui, il lui a fait un contre-pied, il ne s'est pas justifié. C'est pour ça qu'il lui a dit, le message que je vous mets juste ici, ça permet de reprendre les rênes de la discussion et de lui montrer qui a le cadre plus fort et qui c'est qui va devoir se laisser porter et qui c'est qui va devoir guider l'autre. Donc, ça a bien fonctionné. Ensuite, elle a donné son numéro de téléphone et ils ont pu passer au rendez-vous. Cet élève niçois ne connaissait pas la ville de Bordeaux, donc j'ai dû guider sur où est-ce qu'il pourrait amener cette fille, où est-ce qu'il pourrait avoir son premier rendez-vous. Donc là, nous étions à l'appartement avant qu'il parte au rendez-vous et je l'accompagnais tout le trajet jusqu'au début de son rendez-vous pour voir comment ça allait se passer. Et donc, nous allons voir maintenant l'étape SMS pour la transition du virtuel au réel. C'est une étape qui est vraiment très importante et on en parle juste après. T'es pas obligé de te retourner, hein. Dis-moi juste où tu vas et ce que tu vas faire là. Attends, parle pas trop fort parce que si. Donc ouais, attends que les voitures passent. Et là, je suis en rendez-vous. Et tu l'as chopé où? Tu l'as chopé où ce rendez-vous? Tinder. Il y a combien de temps? Là, il y a 3 minutes. Ça fait un peu un instant date Tinder, t'as un peu de pression ou pas? Putain, que la pression. Tu vas être là derrière moi. Ouais, je vais pouvoir t'observer, on va voir si tu dis un peu des conneries ou pas. Ouais, putain, je vais en dire, c'est chiant. La pression, hein. Si vous vivez ce genre de situation, si vous êtes amené à rencontrer des filles très rapidement grâce à Tinder ou même d'autres applications ou sites de rencontres, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la phase SMS jusqu'à la rencontrer pour installer du confort et initier une légère tension sexuelle.
ça va vous permettre de créer une bonne dynamique pour le premier rendez-vous. Ne vous contentez pas en fait de simplement dire bah ok, on se retrouve dans 20 minutes à tel endroit. Si vous avez l'occasion de lui envoyer les SMS pour créer une transition en douceur entre bah, le virtuel et le réel, vous allez conditionner son esprit à passer un bon moment. Alors bien sûr, hein, je vous dis pas de faire une sexualisation très appuyée et très forte, mais testez des choses, comme ça, ça vous dira, ça vous donnera la marge de manœuvre que vous aurez pendant votre rendez-vous. Vous devez rebondir sur chacun de ces messages pour tourner l'échange à votre avantage. Ce que vous devez savoir et qui est super important, c'est que vous avez mis la fille dans un état émotionnel qui est supérieur à son habitude. Du coup, elle est enclin à écrire des choses qu'elle n'écrirait pas normalement. Donc profitez de cet instant pour faire avancer l'histoire beaucoup plus vite. Bon, pour eux, la soirée c'est bien terminé, mais ce qui se passe à Bordeaux reste à Bordeaux. Juste que le rendez-vous a duré 5 heures, donc je vous laisse imaginer tout ce qu'ils ont pu faire. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Mais pour le moment, restez connectés et je vous dis un grand au revoir.